Hello, que Dieu te bénisse. Je suis très heureux de pouvoir te retrouver. Ici le Bishop César Cassier. Je fais cette vidéo pour lancer un appel à toutes les guerrières et les guerriers de Devançons l'Aurore. Vous ne devez pas rater le rendez-vous de ce soir à partir de 22h parce que je suis très, très pressé de pouvoir vous retrouver parce que la semaine dernière, c'était la semaine du sujet de prière et cette semaine, je suis avec vous dès ce soir à partir de 22h. Jésus-Christ fait des miracles. Écoute ce témoignage pour déjà avoir une idée de ce qui t'attend ce soir. Et à tout à l'heure. Shalom, famille, c'est de vie. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie et dans celle de ma famille. Je suis une fille de 19 ans, originaire du Congo-Brazzaville. Et ça va faire 4 ans que je suis connectée à cette alliance par le canal des émissions diffusées sur la plateforme BCK. Et je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis en Europe depuis maintenant 3 mois et depuis l'avion, donc quand j'ai quitté mon pays d'origine pour me retrouver là, j'ai ressenti un mal à l'arrivée, un mal, une douleur atroce qui m'empêchait de bien dormir la nuit. J'avais un mal au dos qui ne partait pas, j'ai tout essayé, massage. J'ai ressenti un mal à l'arrivée, un mal, une douleur atroce qui m'empêchait de bien dormir la nuit. J'avais un mal au dos qui ne partait pas, j'ai tout essayé, massage, pommade, tout ce qu'on me donnait en pharmacie, mais la situation ne semblait pas s'améliorer. J'avais fini par m'habituer à vivre avec ce mal et à le ressentir d'une manière plus intense pendant la nuit. Et j'ai fait l'émission de Devançons l'Aurore. Dans cette émission, j'ai écouté le bishop parler d'une personne qui avait reçu sa délivrance, sa guérison, mais qui n'avait pas témoigné, qui avait ressenti ce même mal 3 jours après. Et il demandait à cette personne de témoigner et a fait une prière afin que le Dieu Tout-Puissant guérisse la personne. Et je me suis aussitôt sentie concernée. Je m'étais dit que cette fois-ci, je devrais rendre mon témoignage. Et je demande pardon au Saint-Esprit pour la résistance que j'ai compris cela. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu se souvienne de vous. Se souviennent de toutes les personnes qui apportent leur pierre à l'édifice de cette plateforme, tous les héros dans l'ombre, que ce soit ceux de la régie ou les généraux qui passent, papa lui-même, sa famille et tout le ministère du lycée de vie. Soyez bénis, vous ne savez pas à quel point vous sauvez des vies, à quel point vous redonnez de l'espoir à des cœurs affligés. Depuis 4 ans, Dieu nous parle par cette plateforme. Depuis 4 ans, nous voyons la main de Dieu par cette plateforme, et je rends mon témoignage pour cela. Que le nom de l'Éternel soit béni, car j'ai foi qu'il m'a guéri et qu'il m'a délivré. Que Dieu vous bénisse. As-tu entendu ce que Dieu a fait pour cette personne? Sais-tu que tu es la prochaine personne sur la liste du Seigneur? Oui, ce soir, réponds à son appel en te connectant à partir de 22h sur notre page Bishop César Cassier. Dieu est sur le point de changer ta vie. Ce soir, il le fera aussi pour toi. À ce soir, 22h, ne rate pas. Shalom.